Les travaux de réalisation du nouveau siège de la radiodiffusion télévision du Burkina avancent bien pour permettre aux médias de disposer d'un bâtiment R+5. Il abritera en plus des studios, des centaines de bureaux pour les agents. Le directeur général de la RTB et les membres du conseil d'administration ont visité hier le chantier. Roger Kam, Pascal Canet. Aussitôt installé, voici le président du conseil d'administration de la radiodiffusion télévision du Burkina sur le chantier du futur siège de la RTB. Signe que ce chantier constitue l'un des plus grands dossiers de sa mandature. Ici, les travaux ont bien démarré. Le bâtiment sera disponible dans 24 mois au grand bonheur du premier responsable de la RTB. Il s'agissait de venir avec le conseil d'administration de la RTB et pour faire voir à ce conseil-là la réalité du terrain ici, l'état d'avancement, donc de la construction du siège. Et moi, je suis entièrement satisfait de voir déjà toutes ces grosses machines, les fouilles qui ont commencé. Et comme a dit le technicien, on aura dès janvier les premiers mètres cubes de béton. Et ce projet-là, c'est plus de 700 bureaux qui seront mis à la disposition des agents de la RTB. C'est des studios de radio, de télévision, des salles de spectacle, des studios qui vont permettre de réaliser des tournages pour nos séries. Vous imaginez qu'un directeur général ne peut être que comblé et je rêve de voir ce projet-là se réaliser très rapidement et c'est un délai de 24 mois qui est fixé. En tout cas, on a bon espoir. Selon le chef du projet, toutes les études préliminaires sont bouclées. Des dispositions sont également prises pour un respect strict des délais impartis pour la réalisation de l'infrastructure. Le délai qu'on a donné aux entreprises, c'est 24 mois. On a démarré vraiment dans une certaine confiance. Nous pensons que il n'y aura pas avec le système que nous avons prévu utiliser ici. Normalement, on doit arriver en fait dans le délai avec tous les ouvrages livrés à bonne date. En faisant les déplacements sur le site, le président du conseil d'administration veut constater l'état d'avancement des travaux, mais surtout attirer l'attention des autorités sur cet important projet de la RTB. C'est une visite de chantier qui va dans le sens de venir encourager l'entreprise de constater ce qui est fait sur le terrain. Parce que vous savez que c'est un chantier assez essentiel pour la RTB, la construction du siège donc. Et pour nous, le fait déjà de voir le début des travaux, c'est assez important. Mais aussi, surtout, de veiller à ce que l'exécution soit comme on le souhaite, pour qu'on puisse s'accorder sur l'ensemble de tout ce qui va être fait à ce niveau-là. Tout compte fait, le compte à rebours est lancé. Dans 2 ans, c'est à partir d'ici que la radiodiffusion télévision du Burkina déploiera ses ailes sur le Burkina et le monde entier.